won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me what is the soul of a man. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème, 8ème, je sais plus, épisode de mon let's play sur le jeu Mad Max. Et je voulais faire une petite précision avant de commencer. L'épisode précédent durait, je crois, 38 minutes, ce qui est quand même assez long. Et donc j'ai décidé d'essayer d'un peu réduire la taille des épisodes pour essayer de descendre au moins en dessous de 30 minutes. Parce que au-dessus ça commence à faire un peu long, surtout pour moi. À réaliser, c'est quand même un petit peu galère. Ça me prend 4 à 5 heures de boulot, ce qui est un peu long entre chaque épisode. Voilà. Je vais chercher, il y a encore un peu de ferraille par ici, il m'en faut quand même pas mal. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais m'arrêter à environ 35 minutes d'épisode, de capture. Et puis on verra bien ce que ça va donner. On peut pas rentrer ici, d'accord. Et comme ça, je pense que ça permettra de descendre en dessous des 35 minutes, ouais, voilà, en dessous de 30 minutes, ça devra bien aller. Ok, donc qu'est-ce que j'ai comme objectif? Quitter la forteresse de Gutash, ok, mais je la quitte pour aller où? Je me souviens plus, ça y est, j'ai déjà oublié, je suis trop fort. On y va. Ah oui, c'est l'histoire du harpon. Indeed, yes, we need something stronger. Yes, but I doubt anyone will give this talon up without a fight. I need it. I go get it. What happens, happens. Ok, d'accord. Venermen. Alors, le convoi de Dimrim. Où qu'il est? D'accord. Donc il doit être par là. Faudra pas oublier qu'il faut qu'on se fasse quelques petits camps un petit peu partout là, histoire d'avoir du, entre guillemets, du ravitaillement de matos. Comme ça, ça sera quand même un peu plus pratique. Allez, on y va. Ok, on y arrive. La question est, où est-ce qu'il est? Mais il doit être sur la route. Bon bah allons-y alors. On va aller le chercher. On va s'occuper de ce qu'on voit. On va suivre les traces. Allons-y. Ah, là, il y a une voiture un peu abandonnée. Coco mes cochons! Ça a dû faire mal, ça. D'accord, ils m'ont pas vu. Voilà. Oups. Désolé. Oh, je suis tellement désolé. Allez, on continue. Il faut qu'on trouve ce qu'on voit. Il doit être sur la route, hein, mais bon. Ah la vache, c'est quand même assez grand comme... comme circuit. J'espère pas mettre 20 plombes pour tomber dessus. Et on va prendre le harpon parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Ah ah, là il y a quelque chose. Waouh! Ok. J'ai libéré la porte de celui-là. Wouh! Il s'est passé quoi là? Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un truc qui a explosé. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser. On va tirer ça. Ça va diminuer un petit peu. Pas de grand chose, mais ça va en diminuer un petit peu. La menace. Oh! J'ai débloqué des améliorations. Ah oui, bah forcément, ça a diminué à 4. Bon, la question c'est où qu'il est, parce que c'était pas lui. Ouh. Alors attendez, parce que là c'est un broyeur. Ouf.
Esquiver. Ça c'était d'esquive. Non, par contre, ça c'était pas esquivé du tout. Il est en train de me défoncer. Faut que j'arrive à détruire le truc de gaz qu'il y a derrière. Allez, je peux pas l'avoir. Si, je pouvais. Non, je peux pas. Si, je peux là. Allez. Ça, c'était pas mal. Bon, par contre, réparation. Tu sais, il y a un ferrailleur dans le coin là qui va arriver. Non, il est pas arrivé. Non, c'est pas grave. Il faut réparer. Alors, j'aimerais bien qu'on tombe dessus quand même sur ce satané qu'on voit. Ah ah, il y en a un là. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas toi. Bon, de toute façon, c'est pas lui que je cherche, même si ça m'aurait bien aidé un petit peu de ferraille là. Bon, il est où ce qu'on voit? Il est censé être par ici. Ok, c'était peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse, étant donné qu'il est. Il est protégé, il faut plutôt s'occuper de ces deux-là. Alors, où est-ce qu'il est, ce qu'on voit? Si je le prenais dans l'autre sens, peut-être. Peut-être qu'il tourne dans le même sens que moi, étant donné que. Ouais, non. Ça ne me met rien du tout. Je pense qu'il tourne dans le même sens que moi. Du coup, j'essaie de mordre la queue du truc. C'est un peu con. Ou alors, on peut l'attendre. Et ça va être long. Ah ah! Il est là! Trouvé! Il y a des explosifs. Allez, approche-toi. Ah putain, c'était pas loin. Ah. Trop rapide. Coucou. Je vous ai passé devant, c'est pas mal. Toi, casse-toi. Wow. Ça me course derrière. Bah, c'est chaud, c'est tendu. Hop, petit coup de nitro pour accélérer. Toi, tu vas arrêter de m'emmerder. Ah, du coup. Tempête en approche. En plus de ça. Ah, c'est quoi cette horreur? Casse-toi. Je me fais courser par un broyeur. Lui, y a rien qui lui passe dessus, quoi. Le harpon, il peut rien lui faire. Alors la porte c'est bon, la tempête. Ah mais je... Oh c'est tellement épique. C'est tellement so épique. Waouh waouh waouh. Oh c'est tellement so l'épicness. Allez par contre avec les éclairs qui tombent là, je peux même pas sortir. Ouh. C'est super chaud, c'est génial. J'adore ce jeu. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est monstrueux, mais c'est beau, quoi. Je peux pas sortir du camion, sinon je suis mort. Pas du camion, de ma voiture, sinon je suis mort. Du coup, on va attendre.
Ouh! Il est pas tombé loin celui-là. On peut pas la réparer? Je suis tellement au milieu de rien. La voiture qui est en train de se réparer. Ah, c'est justement pour ça qu'il faut éviter de sortir. Et merde. La tempête qui est juste tombée au mauvais moment, quoi. Non, mais j'ai presque détruit. Ah, le fail. Le bon gros fail. Faudra vraiment que je baisse le son, je pense, de la tempête au montage parce que j'entendais plus rien. On verra bien ce que ça va donner. Hein. En tout cas, c'était franchement génial. C'est dommage que je sois mort. Du coup, j'ai plus de munitions. Ça va être très drôle. Ça va être exceptionnellement drôle. Est-ce que je peux pas me déplacer en ballon? Ça va plus vite. Ouais, on va se déplacer là. On va y aller directement. C'était quand même très très drôle. Bon, par contre, là, du coup, j'ai plus qu'une seule balle dans mon canon. Dans mon fusil à canoncier. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Hein. J'espère que j'en aurai pas trop besoin. Faut vraiment le garder pour les broyeurs. Donc du coup le convoi, on avait dit qu'il tournait dans l'autre sens. Du coup on va essayer comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas une autre tempête. Ça serait un petit peu la rage. Ok, trouvé. On y va. Oui, par contre ils vont dans l'autre sens. Et je vais tellement vite que j'ai du mal à contrôler la voiture. Allez. Toi déjà, c'est fait. Ensuite, le reste, il faut qu'il... Voilà, on va se casser. Faut aller le retrouver parce que là on a perdu du temps. Évidemment, il y a un mec qui me colle au cul. Ok, il a un petit vautour à côté. Le truc, c'est que j'ai plus qu'une balle, il faut que je la garde. Ok, ça c'est bon. Il faut vraiment que je la garde pour le truc de derrière. Évidemment, je suis plus du bon côté. Ah, oui. Bon, ok. C'est saut épique, ce genre de course poursuite. Il faut que je lui passe derrière. Il faut que je puisse le tirer sur le réservoir. Yeah. C'est bon. J'ai plus une seule balle. On va pouvoir défoncer gentiment ce camion. Allez. Plus qu'un coup. Et on va y arriver. Ok. Ornement de capot. Ah, il est pas mal sûr. Voilà, c'est allé à l'arrière. Toc.
Donc faut aller la rendre, je crois. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Il faut que j'aille à JIT. J'ai plein de nouvelles missions. Ce qu'il faudrait, c'est que j'aille faire l'objectif de la grotte des esclavagistes. Je sens que ça peut être très utile, étant donné que ça me permettra d'avoir des munitions infinies. Enfin, une munition infinie. Il suffirait que je retourne à JIT pour avoir des munitions. Du coup, je pense qu'on va faire ça. On va passer ici. Ah, il me faut la mission d'histoire bloquée. Il me faut le chien de Buggy dans la forteresse de JIT. Du coup, il faut que j'aille chercher en fait le chien qui est ici. Vous savez quoi? On va commencer par s'occuper de cette histoire de munitions. On va se déplacer ici. Il faudra vraiment, vraiment que je m'arrange pour qu'on ait beaucoup plus de ferraille. Je pense que je le ferai en hors capture. Ça sera quand même plus simple. Donc à partir d'ici, il faut que j'aille là-bas. On va s'en occuper. Et j'ai plus une balle. Ok, on arrive bientôt. C'est plein de tunnels. On est une sorte de grotte. C'est ce qui devait être des trous dans la mer, quoi. Ok, on y est. Oula. Il y a un tireur de la route. Du coup, ce qu'on va faire. Passer au fusil rifle. Voilà, c'est bon. Ok, du coup, on va y aller. Attendez, 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 c'est le cadavre du mec que je viens de shooter? Il est pas allé dans le bon sens, là. Non, c'est peut-être pas le cadavre du mec que je viens de shooter. Ah oui, il est là. Deux balles de sniper, c'est cool. Donc, faut qu'on trouve le gaga. Et il faut aussi qu'on élimine les esclavagistes, d'après l'objectif. Eh ben, on y va. Coucou. Arrête de gueuler alarme, s'il te plaît. Je sens qu'ils vont me tomber dessus. Ah, évidemment, je l'avais vu en plus. Il y en a plein. Oh là là. C'est bon les gars, vous avez assez de pièges à loups? C'est même pas des pièges à loups, c'est des pièges à ours. Ok, je sens la merde arriver. Et boum! Ça a bien dû lui péter la nuque. Tac, une nouvelle arme. Ouh! Oula, j'ai cru qu'il allait tomber. En tout cas, ça lui a pas bien fait du bien à l'esclavagiste. La chute, je pense que là, il a pas aimé. Alors, on avance. Hey, come over here. Aïe, oui. Allez, viens là. Maintenant que t'as pris ton bouclier.
Ça c'est fait. Par contre c'est bête, je suis en mode furieux et il n'y a plus rien. Ok, donc t'es là, monsieur. I heard tell there's one who knows how to cook powder here. And if I was that one, I'd get you out of here. Are you him or not? Yes. Yes, I am. Seeing as you killed those two who fed me. They call me Blascap. Hail from the Bullet Farm. Ok, donc je suppose que je peux péter le... Allez. Get yourself to Jeet's lighthouse. They're waiting for you. Righto, I'm going now. Ok, nickel. On l'a libéré. Projet armurerie disponible. Ça c'est cool. On va voir où ça continue. Un long couloir. Bien flippant. J'ai presque toute la ferraille du coin, mais je crois que j'en ai loupé une, c'est pas grave. D'accord, ça permet de sortir. Ok, on va retourner vers Jeet. Je vais poser la question, est-ce que ça y est, je peux avoir des munitions infinies, ça serait cool. Parce que vraiment, ça me fait défaut étant donné que j'ai pas le méga grappin. Ah, il faut que j'aille récupérer mon chien. Alors. We know how to cook that powder, but we don't have the makings. We got coal. But sulfur, you gotta recon a source for that. And then, something that we can't mine. Salty peat. Gotta farm that. Frozen pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No. I bring you the prisoner, you get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. You need more. You get me more sulfur and peat. Ok. C'est cool, les cartouches de fusil c'est bien. I'll mark anything I find with red flares. Go see the commandant. Ok, d'accord. Ça c'est cool. Ça veut dire qu'on pourra, si je fais les objectifs secondaire, on pourra avoir des munitions un peu plus que les trois pauvres munitions qu'ils nous ont données. Par contre, faut aller loin. Faut aller vachement loin. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va plutôt aller à la cachette de Chum pour récupérer le buggy. On récupère le buggy, on récupère le chien. Ça me permettra de débloquer aussi la mission suivante, la mission principale de l'histoire suivante. Et ensuite, on avisera. Il faut que je fasse gaffe, j'ai plus... beaucoup de vie aussi. Et il faut que je fasse le plein d'essence. My buggy, dude, Hopper, she lives yet? Sturdier than it looks. There you are. Found food and water too. Toc le chien. Good dog. On va le mettre dans le buggy. Ensuite, il va falloir ramener le buggy à Jeet. Hey. I'm taking it back to Jeet's fortress. Meet me there. Indeed. Indeed. I'll steer her safe. Allez, c'est parti. Faut remonter jusqu'à Jeet. Évidemment, on ne peut pas se servir du fast travel, ça serait trop simple. Hein. Il faut ramener directement le véhicule. Allez. Le chien peut flairer des champs de mines. Qu'il faut nettoyer pour réduire la menace de scrotus dans la région. Oui, c'est pas bête. Coucou, je me barre. Good dog. Il a flairé un champ de mine. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un là. Il y en a un juste là. On pourrait s'en charger, comme ça au moins ça vous montrera un peu comment on fait. Pas très compliqué, en fait, il faut se
diriger dans la direction où le chien se trouve. Voilà, hop. Et on trouve la mine et on la désamorce. En plus de ça, à chaque fois, ça nous donne une cartouche. Ok, trouvé. Oula, j'ai failli tomber dessus. J'ai failli carrément tomber dessus. C'est par là. Ok. Ok, menace réduite. J'ai pas envie qu'il m'embête, lui. Ça va. On va pouvoir y aller. On va à la forteresse. Tiens, j'ai une idée. D'accord, ça marche pas très bien. Si on n'a pas la métro, ça marche pas bien du tout même. Il y en a un qui nous colle au basque. Ok, ça va être la galère. Ils sont plus rapides que moi. Wow. Par contre, je suis plus adaptable au terrain que eux. Ok, j'en ai deux au cul. Faut vraiment que j'arrive à la forteresse avant eux. Ok. C'est tellement avec des suspensions de malade ce truc. Je peux faire ça en mode YOLO sans problème. Nickel, ça y en y est. J'ai des sacrées suspensions sur ce bidule. Ok, comme ça, hop, on peut faire le truc pour le chien. Comme ça, ça débloque la mission principale. Mais la question maintenant, j'ai tellement de trucs notés sur la carte, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qu'il faudrait c'est s'occuper un petit peu de certains camps, et aussi récupérer des trucs, parce qu'en fait je fais le 100% à côté, donc j'avance moins vite dans l'histoire, mais j'avance plus sur les autres objectifs. Ce qu'il faudrait c'est récupérer des plans pour certaines choses. Par exemple, si je pouvais trouver les plans complet pour le... Zut, comment ça s'appelle? Le puits de pétrole, voilà. Si on récupère tous les plans du puits de pétrole, ça permet de débloquer à Jit un puits de pétrole, du coup, qui fait qu'à chaque fois qu'on rentre à Jit, eh ben on remet le plein directement. On a le plein directement avec la bagnole. Du coup, plus besoin d'aller se balader, trouver des jerrycans. Donc il y a un morceau ici, du puits de pétrole. Il faut en fait demander directement... demander entre guillemets, faut aller directement à l'endroit du... à l'endroit de l'objet à créer, comme celui-là hein, par exemple, pour s'arranger à ce qu'il soit notifié sur la carte. Je prends la ferraille d'ailleurs, il y a un peu de ferraille un peu partout ici. Et c'est cool parce que je vais débloquer pas mal d'autres choses. Puits de pétrole. Ah oui, j'en ai un, donc du coup le deuxième il est juste là quoi. Il faudrait que j'aille du coup faire ce camp. Une fois qu'on aurait fait ce camp, ça serait bon. Mais on va arriver bientôt à la taille maximum de l'épisode que je m'impose. Du coup, je pense qu'on va bientôt... On va arrêter là, je pense. On va arrêter là, comme ça on fera ça dans le prochain épisode. Et ça sera une bonne idée.
Ah oui, par contre, j'avais pas fait gaffe. Mais s'il est en bleu, ça veut dire qu'il peut être réalisé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Armurerie. Ah non. D'accord. Si, je peux le faire. Ah, c'est cool. La ceinture de munitions de Max est automatiquement remplie quand il rentre dans la forteresse. I think Jake wants to jaw with you. Nickel, ça c'est cool, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est exactement ce qu'il fallait. Du coup, on va demander quelle est la mission prochaine, la prochaine mission principale, et puis on arrêtera là. Talent, huh? I hear it's possible to tear down the jaw with this. Oh, that sounds like guckash, John. But it's possible with a pinch of black magic. What do you know? Ha! Oh, you got balls the size of boojums. And you done us some good, granted. So hear me. You'll need to get your harpoon reinforced to get through that first gate. Easy. But your biggest hurdle are those hinges. That's why it all calls for some black magic. Explosives. The Talon builds you an explosive jag tip, blow those hinges right off. Boom. Let's do it. Ouh, un harpon explosif, ça va être drôle ça. Ça va être très très drôle. Mais tout ça, on le fera dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. À partager la vidéo, c'est très important. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous, portez-vous bien !